très bien. C'est moi, c'est Sylvie. Aujourd'hui, j'ai décidé de te chanter des petites comptines. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé une petite vidéo un petit peu moins longue que les autres, spéciale comptines. Alors, demandez et c'est parti. On y va. Une chanson que on connaît et qu'on chante quasiment à chaque fois à la gym, c'est la chanson du bateau. Prépare ton bateau si tu en as un, sinon on reste debout. Et c'est parti! En bateau, mamie, mamie, en bateau, mamie, sur l'eau. Quand il y a de grosses vagues, le bateau fait oh, plouf, dans l'eau. Allez, encore une fois, les parents, vous pouvez placer vos mains sous les épaules des enfants. Et on balance. En bateau, mamie, mamie, en bateau, mamie, sur l'eau. Quand il y a de grosses vagues, le bateau fait oh, plouf dans l'eau. Oh non, les vagues sont énormes. C'est la tempête. Tu es prêt? On y va! En bateau, mamie, mamie, en bateau, mamie, sur l'eau, quand il y a de grosses vagues, le bateau fait oh, plouf dans l'eau! Joli, bravo! Allez, on continue avec une petite chanson qui va nous faire sauter. Écarte un petit peu tes pieds, comme ça, les parents aussi, tout le monde, allez, tout le monde écarte ses jambes. Et regarde, je vais plier les jambes vers l'avant, je fais une bascule avec mon bassin et je vais tenir maintenant toute la chanson avec les genoux pliés. Et on va descendre et monter. C'est parti! À coco sur mon bidet, quand il trotte, il fait des pets. Opa, 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 plus fort, autre, 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 autre. Cette fois-ci, on saute au galop, au galop, au galop, au galop, au galop, au galop. Pas mal du tout. Allez, je te regarde. Plie tes genoux. Pas mal du tout. Allez, vas-y. À coco sur mon pied. Quand il trotte, il fait des pets. Opa, 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 opa. Les parents, on plie, on plie, on plie. Opa, 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 opa. Autre, 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 autre. Au galop, 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 au galop. Mais bravo! Vous êtes des chefs. Bravo, c'est génial. On continue? Laquelle on fait maintenant? Qu'est-ce que tu penses des petits poissons dans l'eau? Tu sais, les petits poissons. Les petits poissons, on les fait comme ça. On met les mains l'une contre l'autre. Ok, on croise les pouces. Rouk, on a un petit poisson. T'es prêt? On y va. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Tu sautes, tu tournes. Et les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. On saute. On va faire les oiseaux. Les oiseaux, ils ont des grandes ailes comme ça sur les côtés. Tu vois, mes pieds sont écartés. Je suis debout et j'écarte les mains vraiment au maximum pour pouvoir faire l'oiseau. Les petits oiseaux dans le ciel volent, 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 volent. Les petits oiseaux dans le ciel
volent aussi bien que les grands. Attention sur le côté, je saute. On écarte les bras. Les petits oiseaux dans le ciel volent, 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 volent. Les petits oiseaux dans le ciel volent aussi bien que les grands. Et maintenant, ah oui, c'est les girafes. Alors tu sais, les girafes, elles vont courir, mais on va forcer pour vraiment courir très vite, 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 très vite. Bon, montre-moi. Comment tu fais? Vas-y, montre. Comment tu cours vite? Oh, mais tu cours vite. Encore, vas-y. Oh, ben dis donc, mais tu cours vite. Alors là, ce qui est difficile, c'est qu'il faut courir sur place. Tu peux pas courir pour avancer ou courir pour reculer. Non, non, tu dois courir sur place et on bouge les fesses. Les parents, vous connaissez l'exercice. On tient le temps de la chanson. Attention, les petites girafes dans la savane couraient, 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 couraient. Les petites girafes dans la savane courent aussi bien que les grandes. Pas mal du tout. Et maintenant, sur le côté, tu te retournes sur le côté. Attention, t'es prêt? On va bouger les fesses, on court, on court, on court. Hey! Les petites girafes dans la savane couraient, 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 couraient. Les petites girafes dans la savane courent aussi bien que les grandes. Youhou! Mais bravo! Alors, est-ce que tu penses qu'on est capable maintenant de faire ces trois animaux, pardon, ensemble, sans s'arrêter? Tu crois que tu y arrives, toi? Ok, on va essayer. Tu te rappelles? Donc on fait une fois de face, une fois de profil. Et on enchaîne. Allez, c'est à toi. Je te regarde. Écarte un peu les jambes, plie les genoux. On va commencer par le poisson. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Et on saute! Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits oiseaux dans le ciel volent, 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 volent. Les petits oiseaux dans le ciel volent aussi bien que les grands. Sur le côté, les petits oiseaux dans le ciel volent, 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 volent. Les petits oiseaux dans le ciel volent aussi bien que les grands. Et les girafes, les petites girafes dans la savane couraient, 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 couraient. Les petites girafes dans la savane courent aussi bien que les grandes. Sur le côté, les petites girafes dans la savane couraient, 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 couraient. Les petites girafes dans la savane courent aussi bien que les grandes. Ouhouhouhou! Oh mais bravo! Ce que t'es fort! Waouh! T'as réussi à tenir toute la chanson? Tu te souvenais de tout l'enchaînement? Mais bravo! Waouh! C'est génial! Ok, après les petits poissons, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Le crocodile. Ah oui, il y a souvent des crocodiles. Tu vas sortir tes mains comme ceci. Et ça, c'est le crocodile. Tu vois, c'est la mâchoire du crocodile. Montre-moi. Vas-y, essaye. Allez.
Et maintenant, un crocodile qui va manger un éléphant. Ouah. Regarde, oh là là, c'est tellement grand que les mains sortent de la caméra. Ouah. Ouais, et puis maintenant, un petit, des petites choses comme des bonbons ou... qu'est-ce qu'il pourrait manger? Des spaghettis. Pssuit. Pssuit. Ouh, un crocodile qui mange un spaghetti. Tu te débrouilles bien. Allez, tends tes bras, on va faire le crocodile. Un crocodile s'en allait à la mer, disait au revoir à ses petits enfants, fan, traînant ses pieds dans la poussière. Il s'en allait visiter les éléphants, fan. On recule et on avance. Allez, crococo, les crococo, les crocodiles. Tu recules. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. En avant. Allez, crococo, les crococo, les crocodiles. En arrière. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. On refait le crocodile, mais cette fois-ci, c'est l'autre main qui est dessus et l'autre main qui est dessous. On échange les mains. Attention. Un crocodile s'en allait à la mer, disait au revoir à ses petits enfants, fan, traînant sa queue dans la poussière. Il s'en allait visiter les éléphants, fan. Attention, on avance. Allez, crococo, les crococo, les crocodiles, on recule. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. On avance. Allez, crococo, les crocodiles, on recule. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Wouhouhou. Mais bravo. Attention, on va faire que le refrain. Et cette fois-ci, je te regarde. Tu te rappelles? Le refrain, on avance. On recule, on avance, on saute, on avance, on recule, on avance, on saute. T'es prêt? Allez, crococo, les crococo, les crocodiles, on avance sur les bords du... on recule, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus, on avance. Allez, crococo, les crococo, les crocodiles, on recule. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus, bravo. Pas mal, t'arrives à le faire plus vite? Plus vite? Mais tu vas presque courir. Tu y arrives, tu crois? Allez, montre-moi. Allez, crococo, les crococo, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, crococo, les crococo, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus, Wouhouhou. Ah, mais t'es un champion, mais bravo. Ce qu'ils sont forts, ces crocodiles, alors on s'amuse bien avec eux. Ah, ça c'est vraiment chouette. Allez, on continue avec la chanson du petit cheval. Alors, tu sais que les chevaux, ils vont à différentes vitesses. Il y a les chevaux qui vont plutôt lentement, quand ils marchent au pas, et puis après, on peut accélérer. Ils vont trotter et ils vont galoper. Et quand on galope, alors là, on va très, 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 très vite. On va commencer tout doucement en marchant au pas. Mais quand on marche au pas, on va lever les genoux. Tu vois, mes genoux, ils montent. Ils vont pas toucher mon menton, mais ils vont monter. Hey, marche au pas, petit cheval, fais le tour du monde. Marche au pas, petit cheval, marche au pas sans te faire de mal. Plus vite? Tu veux aller plus vite? Tu veux aller plus vite? Oui? Ok, alors on trotte. Pour trotter, on va lever les genoux plus vite. Et trotte, trotte, petit cheval, fais le tour du monde.
trotte, trotte, petit cheval, trotte sans te faire de mal. Oh, oh, oh. C'était plus difficile, hein? C'est plus difficile d'aller plus vite et de lever les genoux. Ok, alors maintenant, on va galoper. Alors, galoper, c'est pas facile parce que ça veut dire qu'il faut lever les genoux très haut, très vite. Ça, faut être assez grand. Il faut au moins avoir 3-4 ans pour pouvoir faire ça. Si tu as moins de 3-4 ans, tu peux simplement courir. Et si tu as 3-4 ans ou plus, alors là, je veux te voir lever les genoux. T'es prêt? Attention! Galope, galope, petit cheval, fais le tour du monde. Galope, galope, petit cheval, galope sans te faire de mal. Galope, galope, petit cheval, fais le tour du monde. Galope, galope, petit cheval, galope sans te faire de mal. C'est excellent. Waouh! Allez, à toi, je te regarde. T'es prêt? D'abord, on commence lentement. Tu lèves les genoux. Et marche au pas, petit cheval, fais le tour du monde. Marche au pas, petit cheval, marche au pas sans te faire de mal. Bravo! C'est bien! Encore une fois, cette fois-ci, on va plus vite. On va trotter. Trotte, trotte, petit cheval, fais le tour du monde. Trotte, trotte, petit cheval, trotte sans te faire de mal. Bravo! Allez, tu lèves les genoux tout en haut et tu cours en levant les genoux tout en haut. Je te regarde, vas-y. Galope, galope, petit cheval, fais le tour du monde. Galope, galope, petit cheval, galope sans te faire de mal. Galope, galope, petit cheval, fais le tour du monde. Galope, galope, petit cheval, galope sans te faire de mal. Youhou! Bravo! Tu serais pas un petit peu essoufflé? Mais si, mais t'es tout rouge. Mais je te vois, mais si. Oh, c'est vrai qu'il court vite ce cheval. Allez, on va passer voir le meunier. Et le meunier, tu sais, c'est un monsieur qui moud le blé pour en faire de la farine dans son moulin. Donc, le moulin, on va le faire avec les bras, tu vois. Je vais reculer un petit peu. On va tourner comme ça avec les bras. T'es prêt? Meunier, tu dors. Ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop fort. Les parents, accompagnez vos enfants dans le mouvement des bras. C'est pas facile de réussir à le faire simultanément des deux côtés des beaux cercles. Accompagnez vos enfants et dès qu'eux, ils y arrivent, vous, vous faites avec nous. On refait. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Attention, attention, attention! Ton moulin, ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort, ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ouais! Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort, ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Dans l'autre sens, ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort, ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ok, on va faire maintenant dans l'autre sens. Avant, on est parti comme ça. Et maintenant, on va partir dans l'autre sens. Les parents, corrigez d'abord les enfants. Et ensuite, vous nous accompagnez. C'est prêt? Meunier, tu dors. Mais le vent se déchaîne. Meunier, tu dors, mais le vent souffle fort. Encore une fois. Meunier, tu dors, mais le vent se déchaîne.
Mais le vent souffle encore. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ouais, ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Bravo. Ah, je suis sûre que t'es de bonne humeur maintenant. Ça fait du bien de bouger, hein? Ça fait du bien de chanter. Oui, à moi aussi, c'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce que tu as une chanson que tu aimerais? Alors, si tu as une chanson que tu aimerais que je chante, il faut dire à maman de le mettre en commentaire. Comme ça, la prochaine vidéo de chanson que je fais, eh ben, je chanterai la tienne. Faut pas hésiter, c'est fait pour ça. Allez, on en fait encore deux, puis ce sera le temps de se dire au revoir. Une chanson que j'aime beaucoup, 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 c'est la chanson de la pluie. En ce moment, il fait plutôt beau, mais moi, celle-ci, je l'aime bien. C'est comme ça, la chanson de la pluie, il va pleuvoir. Alors, tu sors ton index, tu sais que tu as 5 doigts dans la main, ils ont tous un nom. Le premier, c'est le pouce. Celui-là, tu le connais bien, hein, le pouce, parce que il y a des gens qui les mettent dans la bouche. Ça fait du bien. En ce moment, on peut pas, hein, ça, on fait pas. Ah ben non. Mais des fois, ça fait du bien. Ça, c'est le pouce. Et le deuxième doigt qui est là, celui-ci, ça, c'est l'index. C'est le deuxième doigt de la main. Tu vois? C'est celui-ci qu'on va utiliser pour faire la chanson de la pluie. On met nos deux index, parce qu'on a deux index. C'est le deuxième doigt de l'autre main de la... aussi. Tu vois, les pouces, on va les rentrer dans les mains comme ça. Et ça, c'est la chanson de la pluie. Flic, flac, flic, flac, floc, c'est la pluie qui mouille. Flic, flac, floc, de plus en plus fort. Pluie, tu me mouilles et tu me chatouilles. Me voilà trempée de la tête jusqu'aux pieds. Pas mal du tout. Allez, sors tes index, rentre les pouces et on y va. Flic, flac, floc, c'est la pluie qui mouille. Flic, flac, floc, de plus en plus fort. Pluie, tu me mouilles et tu me chatouilles. Me voilà trempée de la tête jusqu'aux pieds. Bravo! Et c'est super! C'est vraiment bien! Est-ce que tu connaîtrais une autre chanson où il pleut? Ah ah! J'en connais une! C'est la chanson de l'araignée. Tu sais, Gypsy, l'araignée, avec ses pattes. Ben oui. Alors, pour faire l'araignée Gypsy, il faut que tu mettes tes doigts comme ça. Tu vois, tu mets ton pouce à l'extérieur de ta main, puis tu croches les deux pouces ensemble. Et puis, tes doigts, ça devient les pattes de l'araignée. Tchou-doum, tchou-doum, tchou-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 tchou. Mais non, moi j'aime bien les araignées, c'est rigolo. Regarde. Hey, c'est pas mal, hein, t'as vu? Elle nous regarde. C'est l'araignée. Et elle va monter. L'araignée Gypsy monte à la gouttière. Zut, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. Et l'araignée est vite remontée. Allez, encore une fois. Accroche et l'araignée Gypsy monte à la gouttière. Zut, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. Et l'araignée est vite remontée. Bravo, t'es un spécialiste de l'araignée. Est-ce qu'on essaye une dernière fois, tout seul?
Ouais, allez, je fais avec toi. Bon, je l'aime bien la chanson de l'araignée. Mais je me mets un petit peu plus loin. Je te regarde, hein. Attention, montre-moi comment tu fais bien. On met les mains ensemble. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Zut, voilà la pluie. Gypsy tombe à terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée est vite remontée. Bravo! Mais c'est excellent! C'est génial! On va chanter la chanson de la bergère. Est-ce que tu connais la chanson de la bergère? C'est l'histoire d'une bergère qui se fait. La bergère, c'était la personne qui gardait auparavant souvent les moutons. Elle pouvait garder aussi d'autres animaux, mais quand même, c'est souvent des moutons, en tout cas dans les histoires et souvent dans les comptines. Et nous, on va chanter la chanson de la bergère qui se fait prendre par la pluie et qui cherche un endroit pour s'abriter. Tu vois, les bergères, elles gardaient les moutons dans les montagnes, dans les prés. Et donc, eh ben, il n'y avait souvent pas beaucoup d'endroits pour s'abriter. Elles n'avaient pas des belles maisons comme nous où elles étaient bien au chaud. Et quand tout à coup, il pleuvait dans la montagne, ben, elles avaient un petit peu froid. Elles n'avaient pas trop envie de se faire mouiller. Alors, elles cherchaient un endroit pour aller se réfugier. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons, allons à ma chaumière, bergère, vite allons. J'entends sur le feuillage l'eau qui coule à grand bruit. Voici, voici l'orage. Voici l'éclair qui lui badaboum! Ouais! Encore! Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons, allons à ma chaumière, bergère, vite allons. J'entends sur le feuillage l'eau qui coule à grand bruit. Voici, voici l'orage. Voici l'éclair qui lui badaboum. Oh ben, elle a eu peur, la bergère, t'imagines? Un grand orage comme ça dans la montagne, des fois ça fait peur. Moi, j'ai pas trop peur des orages, mais toi, t'as peur un peu des orages? Oui? Bon ben, dans ces cas-là, faut demander de l'aide à papa et maman, hein, si t'as peur. Puis sinon, on peut quand même demander aller faire un câlin à papa et maman, même si on n'a pas peur. Hein. Tout est possible. Allez, c'est la dernière chanson. Et tu sais qu'à la gym, souvent, on termine avec la chanson de la montgolfière. Ça nous permet de nous dire au revoir et puis de savoir qu'on retourne à l'endroit, dans le, puis l'endroit où on est arrivé, pardon. On a pris le bateau pour aller à la gym. Eh ben, on prend la montgolfière pour rentrer dans le monde des grands. Et pour ça, eh ben, il va falloir tenir la main de ton papa ou de ta maman. Et on fait une ronde et on va chanter et danser ensemble. Elle tourne en rond, notre montgolfière. Elle tourne en rond trois fois. Stop! Arrête-toi, arrête-toi. Ben oui, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Elle tourne en rond, notre montgolfière. Elle tourne encore une fois. Stop! Stop! Allez, dans l'autre sens, encore. Elle tourne en rond, notre montgolfière. Bravo! Écoute, t'es un chef. J'ai eu beaucoup de plaisir de chanter avec toi. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas de dire à ta maman, ton papa, de mettre des petits commentaires dessous la vidéo, des petites photos avec vous de dos. Ça me fait super plaisir. Si vous avez des chansons que vous adorez et que vous aimeriez bien entendre, mettez-les aussi en commentaire et puis ce sera pour la prochaine vidéo de comptine. Ciao, ciao! Bonne journée! Bye, bye! À bientôt! Au revoir! Ciao, ciao!